Et salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur Transportiver. Alors aujourd'hui on va déjà commencer par, j'avais oublié de mettre un signal. On va mettre un signal ici pour bloquer en fait l'accès, pour en fait l'accès à la voie. Donc c'est cela. Attendez. Non là je suis à droite, je suis con, je suis à droite, il faut que je mette à gauche. À gauche, à gauche, à gauche. Hop, voilà. Donc là on est pas mal. On est pas mal. Alors sauvegarde auto, comme d'habitude toujours au bon moment hein, quand on commence, c'est parfait. Donc voilà, ça c'est pas mal. Maintenant on va faire les transports en commun dans les villes. En commençant par ici, même si ici j'ai l'impression... Ok, toute la ville est desservie, il n'y a même pas besoin de transport en commun ici. Ici, la ville là, elle est archi bien desservie, donc même pas besoin de transport en commun. Par contre, ici à Vendôme, voilà, il n'y a pas grand chose qui est desservi, donc on va faire des transports en commun. D'ailleurs, Vendôme, oui, j'avais rejoint par la route. Il y a du trafic en plus, qui a l'air d'aller vers, vers Tours en plus, donc ça promet pour, pour la desserte. Ça promet pour la desserte ferroviaire, donc on va faire ça tout de suite. On va mettre, du coup, des bâtiments de type voyageur. On va mettre un terminus ici. On va faire un arrêt ici. Et on va venir... on va faire un arrêt là. Dans la montée. Et on va venir faire un terminus ici. Voilà. Nouvelle ligne. Alors qu'on gagne bien. On gagne bien. On gagne vraiment bien là, de l'argent là. Ça fait plaisir, il n'y a pas de problème financier pour l'instant. Enfin, il n'y a plus de problème financier parce qu'on en a eu, mais il n'y en a plus là. Hop, voilà, voilà. Et voilà. Et donc, on est à Vendôme. Donc, c'est B1 Vendôme. B1 Vendôme. Ok. Et donc à Vendôme, on va pouvoir mettre mettre des bus. Alors, où est-ce que je peux acheter des bus pas trop loin? J'ai pas de dépôt à Tours. Oh, c'est bizarre que j'ai pas de dépôt à Tours alors que Tours c'est quand même assez grand. On va mettre un dépôt à Tours et comme ça on va les faire venir de Tours. Vu que c'est pas très loin. Hop. Voilà. Parfait. Et acheter véhicule. Passager. On va en acheter. Ah, ça coûte cher quand même cela. On va prendre cela. 150 km/h pour la ville, c'est largement suffisant. Ça roule à 70, mais c'est. Et niveau capacité, 14. 14, 10. On va prendre cela. On va en mettre 3. 3 qu'on va mettre ici, voilà. B1 Vendôme, voilà. Alors on voit que ça circule hein, par contre sur la route là hein. Ah il y a vraiment de la circulation. Ah puis par là ça va où? Attends, ils vont où les gens qui vont par là? Ils vont à Orléans. Donc ouais, les... bah pff, ouais. Ok d'accord, les deux vont. Ah non bah non c'est, là c'est ça va de là donc ouais. Il y aura peut-être un transfert, les gens qui vont faire ça en fait, Vendôme, qui vont aller là et après qui vont reprendre le train pour Orléans. On verra, on verra. Mais en tout cas, du coup, on va acheter les trains. On va acheter les trains. Où est-ce que je peux les acheter? En vrai, j'ai plus de dépôt par là. Alors là, on est à Orléans. J'ai plus de dépôt à Tours. Soit j'en remets un. Ah mais attends, j'ai cette voie là qui se finit en cul-de-sac. Alors c'est à dire qu'ils éviteront Tours au premier passage. Mais j'ai cette voie là qui peut servir. Bâtiment. Hop. En non électrifié. Avec un bumper comme ceci. Hop. On n'a pas les bumpers français en bumper qui cache un peu le... Après il y a les bumpers comme ça. Ouais, il y a pas le...
Ouais, on va mettre des comme ça, tiens. Hop. On va mettre des comme ça. C'est quoi qu'on entend là? J'entends. Ah voilà, c'est la. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme train? En vrai, on va commencer à l'économie, je pense. On va commencer à l'économie. Donc, il faudra aller voir dans les unités multiples. Enfin, dans les. Oui, dans les unités multiples diesel. Il y a celle-là. Dommage que j'ai pas encore les caravelles. Vivement que j'ai les caravelles. Ou alors. Donc, ça prend combien déjà? Ça prend. Ça roule à 90, donc c'est une bonne vitesse. Ça prend 15 personnes. Donc si je les mets à 2, ça prendrait 30 personnes. Oh, vous savez quoi? On va en acheter 2 comme ça. Hop. Bah en fait pour les deux lignes quoi. Et on verra si plus tard il y a de la demande. Donc une sur Chartres Tour. Et l'autre sur Paris Tour. Voilà. Oh les 9200. Ouh les 9200. Très intéressant les 9200. Et donc lui je l'ai envoyé sur Chartres Tour. Donc je pense qu'on va plutôt se faire un tour avec celui-là. Une fois qu'il va partir. Mais voilà, du coup, bah une fois qu'il aura libéré le canton suivant. Voilà, la ligne est pas mal, hein. La ligne est jolie. J'aime bien en tout cas moi. On voit qu'il y a du monde qui veut aller. Ah, les bus sont déjà arrivés. Oh, c'est une bonne nouvelle ça. Ils sont arrivés même avant que le. Ils sont arrivés avant que le train arrive. Donc, ça, c'est une bonne chose. Hop, le train qui passe. Et nous, du coup, on va attendre dans celui-là. Que la voie se libère. Pour pouvoir partir en direction, du coup, de. De la gare de Vendôme. Envers, hein, pour l'instant, du coup, on a mis des automes qui prennent 15 personnes. Si plus tard ça marche bien, on mettra bah, peut-être une. On fera peut-être une rame tractée. Hein. Si ça fonctionne bien, on va faire une rame tractée. Je pense que ça va fonctionner. Donc voilà. C'est juste que je commence doucement. Je préfère commencer doucement et. Et pas me ruiner quoi. Ah ça devrait pas tarder à partir. On devrait pas tarder à pouvoir partir. Ça devrait pas tarder normalement. Ah ça y est, c'est parti. C'est parti. Pour du coup Paris en passant par Vendôme et l'autre gare. Donc on va voir si ça fonctionne bien au niveau des croisements. Parce qu'il y a quand même pas mal de trafic qui a passé. Donc on va voir si ça fonctionne bien. Je pense que ça devrait bien tourner mais. J'ai des petits doutes quand même. On va voir. Allez 75, 76. Ça a du mal à ça prend du temps à accélérer quand même. Bon après c'est sûr qu'il va y avoir des temps d'attente. C'est quasiment sûr qu'il va y avoir des temps d'attente en gare. Vu qu'on peut pas cadencer en fait. C'est dommage, ça c'est un truc qui est dommage sur Transporteur. C'est qu'on peut pas cadencer comme on voudrait quoi. On peut pas dire là on passe le passage à niveau. On peut pas dire je voudrais que tel train passe à ce moment là et tout pour choisir un horaire de départ prévu comme ça pour embarquer les passagers au bon moment et tout. Enfin, ce serait vachement bien, mais on peut pas. Hop, là on va passer au-dessus de la route. Là on voit déjà la ville de Vendôme. On voit la ville de Vendôme. Là où on va s'arrêter. Hop, on quitte le grand viaduc. On a 90, donc vitesse maximum de ce petit autorail là. Hop. Et donc on entre en gare de Vendôme. Où il y a un peu de monde, mais je sais pas si ça, je sais pas où est-ce que ça veut aller quoi. Après là pour l'instant, s'ils veulent aller
à la ville suivante, donc au village là. Techniquement, ils peuvent monter avec moi. Une personne. Une personne, d'accord. Bon. Ils attendent pour l'autre, à mon avis. C'est un peu c'est ça qui est dommage, c'est que aussi, c'est que. En fait, en vrai, si t'as besoin d'aller au village suivant, bah tu vas prendre le premier train qui passe, quoi. Là, vu qu'on est sur une section commune. Après, par contre, s'ils veulent aller à Chartres, oui, c'est clair qu'il faut pas qu'ils prennent celui-là. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, ils veulent peut-être aller à Chartres, c'est peut-être pour ça qu'ils prennent pas mon train, mais. Je sais pas. On l'a monté, là on va arriver du coup à les villages. Bon, la petite save auto, comme d'habitude, toujours bien placée. On va voir, techniquement, il y a moyen qu'on double le. Qu'on rattrape le train en fait qui est parti devant nous là et qu'on, même qu'on le double. S'il a le train de. S'il y a le train de Rouen-Orléans qui arrive en face, il y a techniquement c'est moyen, il y a moyen qu'on le rattrape et qu'on le double. On va voir s'il est encore en gare. S'il est encore en gare, c'est qu'il y a le train du Rouen-Orléans qui arrive. Hop. Non, il a plus l'air en gare, donc le Rouen-Orléans doit pas être dans le secteur. Hop. Et on rentre en gare de Les Villages. Alors qu'on a pas grand monde. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'il me disait. Ah ouais, ok, d'accord. En fait, le quai. Ok, bah ça, il considère ça. Oui, bah c'est normal qu'il considère ça comme un quai. Ok, bah ouais, pourquoi pas. Mais non, faudra mieux que je les place sur l'autre parce qu'en fait. Sinon, on va être un peu. En plus, ça va être un peu compliqué. On a 14 places sur 15. 14 personnes sur 15 personnes qu'on peut embarquer. Donc en fait, le train va être bien là. Et donc là c'est la fin de la section commune, là maintenant c'est que pour Paris maintenant. On peut aller que à Paris, par ici. Alors que là-bas on voit justement l'autre tome qui revient déjà. En direction de Tours. Il est juste là, voilà. L'autre tome qui retourne vers Tours et nous on traverse un passage à niveau. Là on va avoir une jolie rampe pour atteindre le haut de la colline. Voilà, on va arriver en haut. Mais comme le tome est pas trop en difficulté. Hein. Le tome est vraiment pas trop en difficulté. Et après on rentre dans le tunnel. En descente, direction Paris. Enfin, presque Paris, en fait. On n'arrive pas très loin de l'embranchement de la ligne de Paris. Et voilà. Et on arrive au passage niveau. Et là, on voit la ligne de Nantes en passant par Orléans, quoi. Hop, et voilà, et on passe là. Et on a l'embranchement au bout de la tranchée. On a l'embranchement au bout de la tranchée. Ah, j'ai pas mis de signal là, tiens, d'ailleurs. Bon, de toute façon, par là, on a déjà vu. On va mettre un petit signal quand même. Signalisation. Un carré non franchissable. Hop. Un carré là. Et un carré ici. Voilà. Et donc on va quand même aller voir un petit peu à Paris, voir un peu si ça charge ou pas. Donc 14 personnes, ok. Bah pour l'instant il est pas rentable, mais là je pense qu'avec ce qu'on va décharger à Paris, ça devrait être rentable. Il devrait être rentable, je pense. Bon, diesel sous caténaire, tout ce qu'on aime, hein. Hop. Alors, rentable ou pas rentable? Ouais, 35 000, ok. Pas grand chose, mais quand même.
Et on recharge du monde. 14 personnes, ok, bah intéressant. On recharge 14 personnes encore. Pour là-bas. On va regarder si la ligne commence à... Ça commence à tourner. Attends, non, là on est à Orléans. Je suis parti du mauvais côté. Oula, 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 oula. D'accord. Alors déjà ici. La gare, la, le train là. Donc avant, pas à Vendôme, les villages. Quai numéro 3. Et les villages quai numéro 3. Les deux quai numéro 3. Voilà. Là on est bien. Il est où l'autre? Et donc là ouais c'est ça charge. Hein. Ça commence à se remplir. Hein. Ça veut aller où surtout? Ah non en fait c'est parce que y a, c'est parce que comme il y a plusieurs lignes en fait c'est pour ça que ça donne l'impression d'être énorme. Ça veut aller surtout bah, Chartres Tour un peu. Et le Paris Tour qui se remplit, ouais. Rouen-Orléans. Ah oui non, Rouen-Orléans 55 et 39. Ok, non, c'est ça, c'est Rouen-Orléans qui fait tout. C'est Rouen-Orléans qui fait une bonne partie. Là, il y a du monde aussi. Paris-Tour 15 et 12. Ok. Et 16 pour les villages. Et 4 pour Tour. Ok. Sur Chartres-Tour. Ok. Intéressant. Et là, du coup... 300 sur le Paris Orléans. Ouais. Le Paris Orléans, on va rechanger le train. On l'envoie. On voit ça. Mais non, non, le Rouen Orléans, on va rechanger le train. Le Rouen Orléans, il est où? Bah, enfin, de toute façon, les deux locks, on sait où est-ce que c'est. On sait à quoi ressemblent les deux locks. Donc, ligne visible. Pas Rouen Orléans, mais. Paris-Nantes. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Il y a trop de monde. Remplacé par une locomotive de type électrique. Alors que je regarde, celle-là, écoutez, celle-là quand je les mettais, écoutez, 1 301 1 301, 2 millions à l'entretien. Ah ça fait mal par contre. Les 2 millions d'entretien là, ils font mal. Ils font très mal les 2 millions d'entretien. Mais en vrai, la ligne est tellement... Il y a tellement de monde sur la ligne qu'on va le faire quand même. Et donc, passager. J'ai peur que ça refasse tomber ma ligne, ma compagnie dans le non rentable. Mais il y a beaucoup de monde, donc il faut clairement tenter le coup. Non, pas ça. Les BC4 qui sont pas mal, ils prennent 20 personnes. mètres, on prend 140 personnes. Ça nous coûte 30 millions, mais il faut. Allez, hop, voilà. Et voilà. Ah, c'est beau. 9222. Et donc voilà, au moins on aura de la capacité parce que là, je regarde à Orléans. Oui d'ailleurs Orléans c'est une gare qu'il faut qu'on refasse aussi. Faut qu'on la refasse à la gare d'Orléans. Mais je regarde Orléans par exemple, c'est plein quoi, c'est blindé Orléans. Donc voilà, bah, Orléans d'ailleurs on va la refaire, on va mettre le temps en pause. Qu'est-ce qu'on débloque? Des nouveaux bateaux, des nouvelles locks, les BR V100. Ouais, pas grand chose de très intéressant. Pas grand chose de très intéressant. Configurer. Rail. Hop. On va remettre un quai supplémentaire. Le Rouen Orléans, il va venir s'arrêter là. Et pareil pour le. Pour celui qui arrive de là, là. On va répartir un peu la charge parce que là, il y a beaucoup trop de... Il y a beaucoup trop de trains, en fait, sur une même zone. Alors ça, c'est un quai marchandise. Ouais, avec des lampadaires. Voilà. Et voilà.
Et on va mettre un petit passage souterrain ici. Voilà, parfait. Nickel. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que... du coup, on peut laisser le jeu en marche, en fait, puisque... Pour l'instant, ça pose pas de problème particulier. Rail. Ah, bah ça va poser un problème particulier tout de suite, en fait. Hop. Ça va poser, en fait, un problème dès tout de suite, là, maintenant. Parce que... Là, je peux pas le raccorder. Ah, il va pas vouloir que je clique juste dessus. Je veux pas que je clique juste dessus, là. Ah, les sauvegardes auto. Hop. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. On va recroiser comme ça. On va aller s'embrancher là aussi. Et ensuite, on va croiser ici. Voilà, 62 cœurs. De toute façon, il faut ralentir avant de passer des aiguilles. Donc, pas très grave. Et nous, à partir de là, on va faire ça. Et on va venir faire une TJD là. Enfin, une aiguille là. Une TJD ici, oui. Et venir comme ceci. Voilà, parfait. Donc tout est protégé, c'est bon. Normalement c'est protégé. Ici. Ici il faut que je permette. Alors normalement il n'y a plus besoin de celle-là. Par contre il va y avoir clairement besoin d'une aiguille qui fasse ceci. Hop. Pour mettre une TJD et pouvoir faire venir le train de Rouen-Orléans ici. Et ensuite, on va juste mettre une aiguille. Celle-là, elle a pas besoin de partir sur Rouen-Orléans. Donc, hop. Clac. Et clac. Voilà. Ok, normalement c'est bon. Les lignes, du coup. Les lignes. L. Orléans-Nevers. À Orléans, tu vas quai numéro 3. Voilà. Et la Rouen-Orléans. À Orléans, tu vas quai numéro 4. Voilà. Ah non, bah non. Quai numéro 3, la Rouen-Orléans. Quai numéro 3. Ok, là c'est bon. Et l'autre. Ah oui, non, je suis con. Orléans-Nevers. Quai numéro 4. Voilà. Et normalement, là on est bon. Et on va mettre des signaux. Signalisation. Non franchissable. Hop. Un là. Un là. Un là. Et un là. Ok, parfait. On est bon. Et derrière, il nous faut un signal. Pareil, un non franchissable. Ici, pour empêcher de passer. Voilà, parfait. Nickel. Donc là, normalement, on a amélioré la desserte d'Orléans. Donc, on devrait être pas mal. Donc, voilà. Et donc, le train s'arrête. Va embarquer un max de monde.
Il devrait embarquer un max de monde. Ouais, par contre, vous voyez, directement moins 13 millions, ça me fait un peu peur ça. Après, j'ai investi beaucoup d'argent, donc en vrai. Ça me fait un petit peu peur, mais normalement, ça devrait aller. Mais il est à 140 sur 140, donc il va être rentable. Il devrait être rentable normalement. Il devrait être rentable. On va le suivre au pire. On va le suivre, on va voir. Ouais, il a été arrêté un petit peu, mais... Mais au moins, il tracte sans problème le train, quoi. Parce que sinon, si tu mets les autres locks... Les autres locks, elles ont beaucoup de mal à tracter les trains de... Les trains, donc du coup... Voilà, il est quasiment en marche à vue. Hein. Il y a un les signaux s'ouvrent devant lui, quoi. Les signaux s'ouvrent clairement devant lui. Voilà, là, celui-là, il s'est ouvert directement. C'est parfait. Ah, c'est peut-être parce que le train... Ouais, le train a tourné. Ok, ça, c'est parfait. À mon avis, il y a un petit bug sur les sons, par contre. On attend de voies libres. Ok, ça manque de signaux, là. Ça manque clairement de signaux. On va remettre des signaux. Franchissable. Putain, mais c'est l'autre qui est juste devant, mais... C'est pas possible. C'est pas possible. Il a combien de personnes, lui? Il a combien de personnes à bord? Il a 40. On va lui faire faire demi-tour après. Oh, il y a le Tom qui est passé devant. On va lui faire faire demi-tour pour essayer de les redisperser parce que là... Là, c'est juste plus possible, quoi. Je vais attendre qu'il ait passé le signal et après, on va le... Enfin, qu'il ait dégagé l'aiguille et après, on va le faire partir de l'autre sens, hein. Oh alors attends, par contre, je suis en train de me dire que ici c'est pas, il y a pas de, il y a pas de caténaire, donc là il va tout gêner. Signalisation outil, placer de la caténaire. Ah, ah voilà. Au moins il y a de la caténaire sur la TJD. Ah, il veut pas y aller. Il veut pas y aller. Hop. Ah si, c'est bon, il y va. C'est bon, là maintenant que je lui ai mis une caténaire pour passer la TJD, il y va. Ok, comme ça va éviter qu'il soit trop proche l'un de l'autre. On va voir plein comme il est, on va voir combien il va rapporter. Je vais voir combien il va rapporter plein comme il est. Il est à 140 sur 140, donc en vrai il devrait être rentable. Allez, 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 allez. 1 million. 1 million, il rapporte 1 million par voyage. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Mais après, ouais, 1 million, en vrai... Si, 1 million, c'est pas mal, mais... Mais ça paye pas les frais du train, en fait. Je suis en train de me dire. Ça paye pas ses frais en entier. Bon, après, il est à 140 encore, là, donc... On va essayer de voir. On va essayer de voir. On va voir si plus tard l'argent re-rentre ou pas. Mais voilà. Bon, en tout cas, on est à 29 minutes de vidéo. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rater les prochaines vidéos. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours à partir de 17h. À part le mercredi et le samedi. Mais sinon, je suis en live tous les jours.
Donc le lien de la chaîne Twitch est en description de la vidéo. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup ciao tout le monde, ciao.